J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc là aujourd'hui nous sommes le 8 avril. Donc là aujourd'hui programme, pas grand chose à faire, il fait un super beau temps, ciel bleu, il fait chaud. Et qui dit ciel bleu dit chaleur, dit parisien de sortie, oui. Il y a ma petite bichette, on ne vous a pas raconté. Mais il avait la queue toute grasse, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a fait. Et on n'arrivait pas à la laver en fait, on n'arrivait pas à, même en brossant, ça voulait pas enlever le gras, etc. Donc on a dû le laver dans la baignoire. Donc il y a mon bébé chat qui est au soleil pour se réchauffer un petit peu. Bah oui mon chat, avec sa queue là toute mouillée, mais c'est encore gras, je sais pas comment on fait pour nettoyer une queue d'un chat aussi gras. Même en se léchant, il n'arrive pas à se nettoyer, donc je sais pas ce qu'il a foutu. J'ai regardé sur Disney+, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mettrai en petit i. Disney+, c'est sorti donc hier. Franchement, c'est une grosse tuerie, c'est ouf. La série High School Musical est très très bien. Franchement, je pensais que ça allait dénaturer un peu le film. Regardez-moi sa tête. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment bien, c'est bien tourné, c'est un peu cliché, mais c'est bien. Il y a plein de séries, Hannah Montana, enfin toutes les séries de Disney Channel de notre enfance sont là, franchement je suis super contente. Donc je vous ai fait toute une review de ce Disney+, c'était pas du tout sponsorisé ni rien du tout, hein. C'est moi qui ai voulu vous montrer comment ça se passait parce que beaucoup de gens me disaient est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a comme série, etc. Ce matin j'ai reçu un colis, je suis trop contente. Alors, je vais pas faire de disclaimer en disant oui n'achetez pas, etc. Je pense que vous êtes responsable, enfin vous êtes assez grand pour savoir ce qu'il faut faire. Donc on va procéder à l'unboxing, on va faire ça ensemble. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc bien évidemment le carton, hein, je l'ai bien nettoyé, etc. Vous ne voyez pas, haha, j'ai mal cadré. Il y a énormément de choses. Oh, la vache, je pensais pas, hein, vraiment. Il va être trop content, oh, merci beaucoup. Hein. Oh, il va être super content. Avec la pâtée qu'il adore. Oh, je vais vous montrer ça. Donc voilà comment est emballé les produits. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas de petites choses superflues, du papier de soie, des conneries à la con. Ça c'est vachement bien, au moins ça évite de faire du gaspillage. Il y a les croquettes, de ce que je vois il y a de la pâté, il y a vraiment beaucoup de pâté, je suis trop contente pour lui, il va trop se régaler. Il y a de l'huile de saumon, alors ça je n'ai jamais testé. Oh, il adore cette pâté là, oh je suis trop contente pour lui, bichette. Tu vas te régaler mon chat. Oh, il y a des jouets, oui, parce que je n'en ai plus. Il y a un verre doseur, ça c'est vachement bien. Et le fameux tote bag. Donc si vous ne connaissez pas Ultra Premium Direct, je pense que sur ma chaîne vous devez connaître, je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps. C'est l'une des premières marques de croquettes que j'ai acheté pour Birdie. C'était ma voisine qui me l'avait conseillé parce qu'elle prenait ça pour son chien. Donc je les ai contactés donc, à un an et demi, je pense, deux ans. Pour savoir s'ils voulaient collaborer avec moi, donc ils m'avaient envoyé des friandises, etc. Birdie les adore. Et je suis super contente que maintenant ils aient pu collaborer avec d'autres influenceurs, parce que c'est vraiment une très bonne marque, c'est pas de la merde. Tout est français, tout est made in France. Donc c'est hyper important, c'est français, donc ça au moins c'est bien. Et en fait, pourquoi j'avais pris ça pour Birdie de base, les croquettes, puisqu'il y a énormément de viande, je crois. Je crois qu'il y en a. Il y a 70% de viande. C'est énorme. Quand vous regardez par exemple les marques comme Royal Canin, c'est des marques de merde, hein, vraiment. Si vous pouvez changer, changez. Il y a beaucoup de céréales. Donc c'est vraiment hyper important. Il y a beaucoup de viande. Et il y a aussi des légumes qui sont bons pour les animaux. Ils m'ont envoyé tous ces produits-là gratuitement. Je n'ai rien payé. Donc je viens de voir qu'il n'y a pas de gluten ajouté. Il n'y a pas de colorant artificiel. Il n'y a pas d'arôme artificiel. Et il n'y a pas de conservateur artificiel. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc leurs croquettes permettent une digestion efficace, un soin de la peau et du pelage, réduction des odeurs, des sels, santé système urinaire et rénal, renfort du système immunitaire. Donc si vous voulez tester la marque de croquettes, vous pouvez avoir des échantillons. C'est 1 €, ils vous envoient ça par une lettre à la poste. Donc si vous voulez tester pour voir si votre chat aime ou pas, ou votre chien, vous pouvez demander directement des échantillons. Donc ça c'est vraiment bien. Sinon ils font en 3 kg mais ils font aussi en 12 kg. Moi j'ai encore les 12 kg de Birdie, je vais vous les montrer. Il y a Bichette qui vient. Donc là c'est les friandises, ça se présente comme ça pour les animaux. C'est comme des espèces de croquettes. Birdie elle aime bien, Bichette aussi elle aime bien. Et donc les croquettes pour chien. Donc ça je le mélange avec les Nutribia parce que Birdie elle n'aime pas du tout avoir toujours la même nourriture. Elle aime bien que ça soit un peu mélangé et elle aime beaucoup ces croquettes là. Mais j'essaye d'allier un peu les différentes nourritures. Ça va mon chat?
Bah oui, tout ça c'est pour toi mon chat. Regarde la petite balle. Hé, hey, regarde-la. Regarde la petite balle. Il y a la petite balle, elle est trop mignonne, hein. Avec un petit chat. C'est trop chou. Donc on a pris ça, des croquettes 3 kilos. Donc c'est les chats adultes. Et oui, maintenant t'es un adulte hein, mon chat. Bah oui. Donc elles sont vraiment très très bien et il adore ces croquettes là. À chaque fois que je mets la boue pour Birdie, des fois il vient picorer un peu dans sa gamelle et il mange les croquettes d'Ultra Premium Direct. Donc il va être content je pense. Là le paquet de croquettes, vous avez aussi les transitions si vous voulez changer vraiment de nourriture. Vous avez les transitions derrière, comment il faut faire, etc. Bah oui mon chat, tu vas en avoir. Bon oui mon amour. Donc là, nous avons les pâtés. Ça, je vous en ai déjà parlé. Il l'adore, vraiment. Birdie, c'est pas pour toi. Donc, je disais que ça, je vous en ai déjà parlé. C'est de la pâtée. Donc, oui, on a compris, Bichette. Je te jure, on a compris. C'est de la pâtée avec émincé à la dinde en sauce. Là, c'est au poulet. Ouh, Birdie. Au cabillaud. Non, mais monsieur, hein, ça va. Ensuite, pour continuer avec la pâtée, je pense que c'est les mêmes, les trois. Ouais, c'est les mêmes. Donc ils m'ont en envoyé 3, ça c'est vraiment super bien parce que Bichette il adore ce genre de pâté. C'est de la pâté en mousse, c'est hyper bon pour lui. Je vais pas goûter mais en tout cas il aime bien. Donc il y a poulet et la sole. Eh hey, mais toi tu te mets bien, hein, tu manges mieux que moi. Du poulet et de la sole. Et donc à l'intérieur je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a 40% de volaille, de poulet d'Inde, 13% de porc, de la sole, du calcium et du phosphore. Voilà, il n'y a rien de plus, il n'y a aucune connerie à l'intérieur, c'est que du bon. Si vous voulez vraiment une bonne pâtée, n'hésitez pas à aller checker sur leur site. Et en plus, vous savez quoi, elle n'est pas chère. Donc voilà, super bon, super bonne pâtée, donc il m'en a envoyé 3, franchement, elle était gâtée. Hein. Tu devrais remercier. Hein. Ensuite, il nous a envoyé donc, une petite balle, elle est trop mignonne, mon cœur, oui. Avec un petit chat, j'adore le packaging, je trouve ça hyper joli. Oh, c'est trop bien, en plus on peut le réutiliser. Genre ils ont mis un petit scratch, je sais pas si vous verrez, comme ça tu peux le réutiliser. Oh, je trouve ça trop bien. C'est de l'huile de saumon. Alors ça, je ne connais pas du tout. C'est riche en oméga 3. Ça permet un poil soyeux et brillant. Ça augmente l'appétence. Et il y a un apport énergétique. Et c'est 100% naturel. Ça, je l'ai déjà utilisé. C'est un shampoing sans rinçage. J'ai essayé avec Bigel la dernière fois pour enlever. Donc sa queue pleine de gras, ça n'a pas fonctionné. Mais pour le reste, c'est super bien. Ça sent super bon. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite ils m'ont offert un petit tote bag que j'aime beaucoup. J'adore les tote bags de chez Extra Premium Direct, ils sont super jolis. Et tu peux mettre vraiment pas mal de choses dedans et j'adore la qualité. Elle est vraiment très très bien. La dernière fois ils nous avaient envoyé une box de Noël pour chat. Et il y avait des petits jouets avec les bâtons, vous savez, avec les fils et la petite peluche au bout. Je vous dis pas comment il s'est amusé avec. Et il y a aussi cette petite chose. Voilà, ils s'amusaient avec tout à l'heure. Donc ils font aussi des jouets. Je sais pas s'ils le font encore sur le site, mais je pense que oui. C'est une petite balle entre guillemets de la marque Oh My Cat. C'est fait en France et là c'est un peu velours et là c'est du tissu. Il l'adore en fait. Je pense qu'il y a de l'arbre à chat à l'intérieur. Mais il aime bien s'amuser avec. Genre je le lance dans le couloir et il kiffe ça. Bichat il est vraiment gâté et heureusement qu'ils sont là en fait du Strap Prime Direct puisque les livraisons sont très rapides. Vraiment si vous avez un souci au niveau des croquettes, n'hésitez pas à commander sur leur site. Et la livraison est très rapide, c'est de la très 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 bonne qualité, je le répète. Je l'utilise pour ma chienne depuis 1 an et demi, j'ai jamais eu de problème. Au contraire je trouve qu'elle va beaucoup mieux parce qu'avant elle prenait des croquettes Ultima ou des trucs comme ça, c'était un peu des conneries. Et c'est pas cher, vraiment c'est pas cher, c'est des prix raisonnables par rapport à ce que je vois ailleurs, que ce soit à Truffaut ou autre. C'est des prix vraiment raisonnables et très très bon rapport qualité prix. Donc moi je suis contente parce que là j'avais plus de croquettes pour Bichette. Donc là il va bien se régaler avec toute cette pâtée là. On va voir ça, on va faire un petit test. Ah, je vous ai pas dit, dans chaque petite box comme ça vous en avez 16. Donc vraiment c'est bien, je vous mettrai le lien en barre d'infos si je les retrouve. Mais... Donc on va tester une petite boîte mousse, on va voir s'il aime ça. Mais bon, je connais déjà la réponse. Hein. Regardez-moi sa tête là. Non. Il cherche. Alors que c'est juste là. Tu vas faire tomber le truc, Bichette. Bon, moi je l'écrase pas parce que je sais que dans tous les cas ça va être mangé. Et au moins il va un peu plus galérer à manger. Mange bien, mon chat. Et je m'en suis foutue sur ma chemise. C'est génial. Donc là, c'est le restant de croquettes de Bichette. Bon, il me restait vraiment pas grand chose. Donc je suis super contente. Donc en fait, je vais faire un mélange dans ces croquettes. Je vais mettre quelques petites croquettes de Ultra Premium Direct. Et au fur et à mesure, ben, je vais augmenter la dose, etc. Alors, je vous montre juste un truc. J'avais mis des petites croquettes de Royal Canin parce que Bichette, il adore ça. Mais c'est de la merde, comme je vous le dis. C'est comme du McDo. Donc, je mettais un tout petit peu de croquettes, comme vous pouvez le voir.
c'est le marron clair. Donc normalement les croquettes ne doivent pas être de cette couleur là. Les croquettes doivent être de cette couleur là et de cette couleur là. Ça doit pas être comme ça. Et ça je ne connais pas du tout, donc on va voir s'il va kiffer. Je vais lui montrer, tiens. Eh ben si! C'est un gros goinf ce chat, c'est pas possible. Donc voilà pour l'unboxing de ce colis pour Bichette. Je suis super contente, merci beaucoup à la marque Ultra Prime Direct de m'avoir envoyé ça. C'est super gentil, franchement il y a beaucoup de pâté, il va se régaler, merci vraiment beaucoup. Donc pour vous, j'ai pu avoir un code promo, je suis super contente. Donc le code promo c'est Bichette, je vous mettrai juste là, je crois que vous avez 5€ de remise. N'hésitez pas à en profiter. Donc au lieu de passer à Truffaut, vous déplacer, acheter des croquettes, etc. Commandez directement sur ce site là qui est vraiment bien. En plus vous avez 5€ de remise, c'est pas cher. Et je sais que dans ces temps là c'est un peu... dur financièrement pour tout le monde avec ce chômage partiel. Si vous voulez des croquettes pas chères et de bonne qualité, vraiment d'une excellente qualité, n'hésitez pas à en profiter, c'est une très bonne marque, en plus c'est français. C'est quoi ça, Bichette? Ça me peut dire, il a plus kiffé que Bichette. Lui il aime bien les petites perches en fait. Il s'en fout. Bah oui mon cœur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, une balle. Maman, on va pouvoir l'envoyer dans le couloir. Ah ouais, de ouf. Sur le palier. De courir après. En fait, Chouquette, elle court après la balle et lui, il court après Chouquette. Ouais, c'est trop drôle. Et il saute en plus au-dessus d'elle. Oh. Oh là là. Hé, hey, ça a sorti à ses yeux. Est-ce que c'était fait exprès, ça? Oh là là. Toi, Chouquette, t'aimes bien les balles, toi. Hein. Cherchez. En fait, c'est un cadeau pour Chouquette. Hé hey. Oh, regarde sa tête. La tête qu'il a fait. Oh mon dieu. Oh là là. Ouais, on joue au foot. Verdi, lâche. Merci. Elle l'envoie. En tout cas, t'es contente, toi. Hein. De base, c'était pour Bichette, hein, mais madame, elle est contente. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je sais qu'elle était un peu courte, mais voilà, j'essaie de vous faire des petites vidéos de temps en temps. Ah, Tiquette, t'es contente hein, de la balle hein. Bah oui, t'es contente, hein, tu m'étonnes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.